Le pasteur Martin Fatele, leader de l'église de Douala, a entamé le dimanche 2 avril dernier une tournée auprès des familles qui constituent l'église de Douala. Cette tournée avait quatre objectifs majeurs. Il s'agissait entre autres d'évaluer le travail fait par chaque famille à la suite de sa précédente tournée de 2022, aider chaque famille à poursuivre son but de l'année 2023 et l'accomplir, susciter les intercesseurs jeûnant pour le frère Théodore, susciter enfin les chantres pour l'église de Douala. Ainsi, pendant sept dimanches, l'homme de Dieu a parcouru 13 familles dans l'église de Douala, accompagné d'une grande équipe à laquelle se trouvait sa secrétaire, la sœur Hermine Baumet, le dirigeant des jeunes, le frère Antoine Kala, le dirigeant des semeurs, le frère Dieudonné Ntonga, et le leader de la communication, le frère Sinclair Dagan. Avec son équipe, c'était tout de même l'opportunité pour le pasteur Martin Fatele de proclamer l'évangile et conduire les âmes au Seigneur. À la fin de cette tournée, le nombre des semeurs de l'église de Douala est passé de 40 à 496 semeurs. De même, 557 convertis ont été également enregistrés et des centaines d'intercesseurs jeûnant pour le frère Théodore suscité. Le pasteur a terminé sa tournée ce dimanche 4 juin dans les familles Tankenju et des universitaires avec une note de satisfaction. Le temps est donné à présent sur les croisades d'évangélisation qui permettront à l'église de Douala d'accomplir son but de l'année 2023.